Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici ce soir pour ce kick-off de WWE Elimination Chamber. Le kick-off qui va nous présenter un match totalement inédit, mesdames et messieurs. Eh oui, inédit. On accueille tout de suite The Eater of Worlds, Bray Wyatt. On rappelle que dans le pay-per-view principal, nous allons avoir le tout premier Women's Elimination Chamber match où Natalia y défendra son titre féminin de Raw face à 5 autres Women's. Et ça va faire très mal. Mais on aura également l'Open Challenge de Batista ce soir. Il fait son retour en pay-per-view. The Animal is Unleashed ce soir. Batista a fait un va faire un Open Challenge. La question est de savoir qui va répondre à cet Open Challenge. Mais il y a également le plus important, Dwayne The Rock Johnson va être également là ce soir. Il a quelque chose à nous dire. Et apparemment, c'est ce soir qu'il va s'exprimer. Elimination Chamber. Ça va être énorme ce pay-per-view. Clairement, ça va être énorme. Mais il va être également assez sombre. Regardez Bray Wyatt. Et la lumière fut. Mais attendez, mesdames et messieurs, parce que ce pay-per-view va devenir dans quelques secondes glorieux. Son adversaire, il arrive. Voici donc, mesdames et messieurs, The Glorious Bobby Roode. Bobby Roode, mesdames et messieurs, est présent ce soir à Elimination Chamber dans ce kick-off pour affronter le dévoreur des mondes, Bray Wyatt. Ah là 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 là, Bobby Roode, on ne l'a pas vu beaucoup depuis ses débuts, mais c'est toujours un plaisir de le voir. Eh bien, voilà, voilà. Alors, les pronostics directs. Qui va remporter ce match ce soir? Ah, j'aimerais une petite victoire de Bobby Roode. Pour l'instant, sur 3 matchs, vu que là, c'est son 3e depuis ses débuts, et il n'a qu'une seule victoire. On le rappelle, il avait affronté Seth Rollins lorsqu'il était Universal Champion Rollins. Et il avait perdu, mais alors vraiment, mais de rien, il aurait pu battre le champion Roode. Ah, ce soir, c'est un autre challenge face à lui. Hein. Elimination Chamber, mesdames et messieurs. La route de WrestleMania continue. On aura également d'ailleurs le match que l'on aura lors de WrestleMania, sauf que là le titre ne sera pas en jeu. Le champion universel est Jay Styles affronte le vainqueur du Royal Rumble, le Big Show. Les deux sont prêts, c'est parti. Hashtag bien évidemment WWE Chamber. Allez Bray Wyatt qui met directement au sol Bobby Roode, The Glorious One.
coup de poing de Bobby. Allez, il a mis Bray Wyatt au sol. Ah bah ouais, il avait du mal là. Bobby Roode, qu'est-ce qu'il fait? Oh, descente des poings sur le dos, coup de pied dans le dos maintenant. Ah, il faut blesser Bray Wyatt le plus possible. Il est sur deuxième corde. The Glorious One. Et le... Ah, Neckbreaker esquivé de la part de Bray Wyatt, qui a anticipé ce saut. Mais Bobby Roode revient bien. Projection. Ah, oh, il s'écroule à l'extérieur, Bray Wyatt. Ce soir, dans le pay-per-view principal, nous aurons qu'un seul match à Elimination Chamber. Et ce sera les Women's DDT de Bray Wyatt à l'extérieur du ring. On rappelle que c'est un match simple. On salue d'ailleurs les commentateurs Corey Graves, Michael Cole et Byron Saxton. Allez, Bobby Roode en close line esquivé. Il a Bray Wyatt sur les épaules. Oh non, il compte coup de coude. Allez, il s'échappe. Bobby Roode, non, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Bray Wyatt, souplesse arrière sur lui. On est à 6, attention, hein. Descente des coudes. On est à 7. Attention, pas de décompte à l'extérieur, là, vite. Ah, c'est bon. Ah, c'était juste, hein, parce qu'on allait sur 8, là. Bray Wyatt. Descente du coude sur la nuque. Il projette Bobby Roode. Ah, il se jette sur lui et Bobby Roode qui s'écroule à l'extérieur du ring encore une fois. Il attend. Il attend qu'il se relève. Bray Wyatt, qu'est-ce qu'il fait? Bray, qu'est-ce que... Où il va? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais je crois qu'il a... Non. Il a abandonné son idée. Ah, ça c'est pas bon. Pas bon. Ah, pas bon. Oh là là, Bobby Roode. Ah, ce coup... Bobby Roode qui subit mais qui revient bien avec un coup de genou. Ah ouais, oh, qui projette Bobby Roode contre les escaliers en acier. Oh là là, c'est pas bon ça, c'est pas bon Bobby Roode. Grande difficulté, attention on est à 6. Et vous voyez ce logo là-bas, WrestleMania. WrestleMania mesdames et messieurs, vous le savez. On le sait tous que WrestleMania aura lieu le 8 avril, précédé d'NXT TakeOver qui aura lieu le 7 avril, précédé du WWE Hall of Fame qui aura lieu le 6 avril. Ah oui, eh oui, une grosse semaine pour la WrestleMania Week, Bray Wyatt. Ça c'est très dangereux, là il est sur la troisième corde, non? Oh my god, Bray Wyatt qui se détruit le dos. Tandis que les fans comme Bray's gonna kill you. Oh, c'est fini là pour Bobby Roode. Là, il est vraiment mal barré parce que Bray Wyatt, il va le faire. Oh, le Sister Abigail, le tombé. 1, 2 et 3 victoires de Bray Wyatt. Ah, oh, Bobby Roode, il avait pourtant les premières minutes bien commencé ce match. Ah mais Bray Wyatt il est revenu mais il a tout détruit, il a tout cassé Bray Wyatt. Non mais c'est quoi ça Bray Wyatt? Peut-être qu'il vient de gagner une place pour participer au show des immortels WrestleMania. En tout cas bravo à Bobby Roode quand même pour la participation, mais belle victoire de Bray Wyatt quand même. Là il s'est imposé clairement, il a montré qui était le patron ce soir ici à Elimination Chamber. On se retrouve à 21h. Pour le pay-per-view, mesdames et messieurs, on le rappelle, Elimination Chamber, Special Women's, le premier de l'histoire. Avec une soirée exceptionnelle qui nous attend. Mais en attendant, follow the Buzzards. Il n'y a que ça à faire.